Et pour analyser les résultats des législatives françaises, on joint en direct depuis Paris Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité, l'IPSE. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, on reprend ce chiffre d'abord. Avec 245 députés, les macronistes d'ensemble sont loin de la majorité absolue aujourd'hui, fixée à 289 sièges sur 577. Mais ils devancent la NUP, qui aura au moins 150 représentants dans l'hémicycle. Viennent ensuite le Rassemblement national, qui réalise une percée historique, 89 sièges. Puis les Républicains. Quelle lecture d'abord faites-vous de ces résultats ? Déjà, c'est un aveu de faiblesse et d'échec du président, puisque pour la première fois depuis 1988, un parti présidentiel n'a pas de majorité. En tout cas, n'a pas de majorité seulement un mois après avoir gagné l'élection présidentielle, la deuxième fois pour Emmanuel Macron. C'est le premier élément. Deuxième élément, vous l'avez mentionné, l'abstention, qui est de près de 54%. On n'a pas atteint le chiffre de 57% lors d'une précédente législative de mémoire, il y a 10 ans de cela. Mais évidemment, le taux d'abstention est supérieur à celui du premier tour, et c'est particulièrement inquiétant, partant du principe que seulement 23 millions des 48 millions de Français inscrits sur les listes électorales ont participé au vote. Quand on sait qu'en 1979, le taux d'abstention n'était que de 16%, on voit bien qu'il y a là un abîme démocratique et qui est évidemment conforme à l'état de délabrement de l'ensemble de la classe politique française. Le troisième élément, vous l'avez mentionné, le Rassemblement national, qui pour la première fois depuis 1986 va pouvoir avoir un groupe parlementaire avec là aussi une augmentation exponentielle du nombre de ses élus. Il avait lors de la précédente mandature 8, puisqu'il y a eu un apparentement député, et il passe à 89, donc c'est une augmentation absolument considérable, ce qui fait d'ailleurs, pour légèrement corriger votre propos, le deuxième parti, puisque la NUPES n'est pas un parti, mais une coalition de partis. C'est justement là où est le problème. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui a demandé que la NUPES se constitue en parti politique. Il a fait l'objet d'une fin de non-recevoir de l'ensemble de ses partenaires, que ce soit le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste, qui entendent, là aussi, pour le Parti Communiste, puisqu'il est quasiment à 13 ou 14, éventuellement avoir un groupe parlementaire. Donc aucun des coalisés de la NUPES ne constitueront un groupe politique unifié. Donc c'est bien le Rassemblement National qui est le deuxième parti de France, le deuxième parti présent à l'Assemblée après le groupe Ensemble, qui lui, vraisemblablement, ne pourra pas non plus constituer un groupe conjoint, puisque le Modem et vraisemblablement Horizon demanderont aussi à avoir un groupe politique à part. Et dans ce contexte, il y a des tractations qui ont débuté dès ce lundi au Parlement, à l'Élysée et dans les partis politiques pour tirer les conséquences du séisme des législatives, si on peut l'appeler ainsi. Certains analystes parlent aujourd'hui du risque d'un pays ingouvernable. On rappelle aussi qu'Emmanuel Macron va rencontrer donc demain et après-demain les représentants des partis politiques qui seront représenté à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous ? Oui, le pays est pour l'instant, à l'heure où nous parlons, ingouvernable, pour une raison mathématique. Aucun parti politique, pour l'instant, n'a la majorité absolue des 289 députés. Les marcheurs, associés au Modem et à Horizon, avec le nouveau parti qui s'appelle Renaissance, et donc cette coalition qui s'appelle Ensemble, comme vous l'avez dit, ne cumule pas plus de 245 membres. Donc ça veut dire qu'il faudra chercher ailleurs des voies de coalition, ou chercher à apparenter d'autres partis politiques. Or, il y a quelques heures de cela, le principal parti de l'opposition traditionnelle, qui a certes perdu beaucoup d'élus, les Républicains, puisqu'ils ne sont maintenant plus que 62, en tout cas 62 Républicains et 2 centristes, 64, bien loin des 100 députés qu'ils représentaient en 2017, a fermé la porte à toute tractation possible d'un accord de gouvernement
avec le président Emmanuel Macron. Donc le président Emmanuel Macron est dans son rôle d'essayer de trouver les moyens de sauver sa majorité. Néanmoins, le temps joue contre lui. Le 5 juillet prochain, la première ministre, Elisabeth Borne, prononcera son discours de politique générale qui, traditionnellement, est agrémenté d'un vote de confiance ou un vote de défiance. Pour l'instant, cette échéance est fortement défavorable à la majorité présidentielle, car il se peut que la motion de censure advienne à ce moment-là, ce qui obligerait Elisabeth Borne à démissionner, ce qui obligerait Emmanuel Macron à se rendre compte que le pays est ingouvernable et peut-être appelé à de nouvelles élections, pas tout de suite, car cela ne ferait qu'empirer le désaveu déjà cinglant de la journée d'hier, mais sans doute dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Et en attendant, il y a la coalition de gauche qui va devoir s'organiser à l'Assemblée, mais les premières fractures sont apparues dès ce lundi avec le refus par le Parti socialiste et le PCF, aussi de la proposition de Jean-Luc Mélenchon de former un groupe uni. Comment expliquez-vous cela ? Ben déjà, ça ne faisait pas partie de leur accord politique. Il était bien précisé que la NUPES, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, ou écologique et sociale, n'avait comme seul objectif de proposer, certes, un programme négocié entre les quatre partis qui la composent, le Parti communiste, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et la France insoumise, mais ne certainement pas être un parti sous la domination des Insoumis, même si les Insoumis, avec 71 députés, sont le parti le plus représentatif au sein de cette alliance. Comme son nom l'indique, c'est une alliance politique et non pas un parti politique. L'enjeu n'est pas tellement d'être une force d'opposition, mais surtout de pouvoir briguer la présidence de la Commission des finances, qui traditionnellement, depuis la réforme constitutionnelle de juillet 2008, échoua au parti d'opposition, au principal parti d'opposition. Or, il se trouve qu'en termes de voix et en termes de nombre d'élus, c'est le Rassemblement national avec 89 qui supplanterait la France insoumise avec 71, sauf si la NUPES s'inscrit comme parti politique avec les quelques 142 de ses membres. Pour l'instant, comme vous l'avez dit, il y a une fin de non-recevoir, au moins du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et vraisemblablement aussi du Parti communiste français. Parfait, merci beaucoup Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité. Merci de cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris.